Bien, nous allons maintenant aborder ce qui se passe entre deux tours de jeu. Donc là, nous sommes à la fin du premier tour. Les joueurs ont été payés éventuellement ou n'ont pas été payés si leurs activités ont eu des problèmes. Ils ont exprimé leur satisfaction, leur insatisfaction. Et à ce stade-là, ce qu'on appelle la vidange du plateau de jeu peut être réalisée. S'il reste des billes, quelle que soit leur couleur, elles peuvent être retirées du plateau. Par contre, les jetons de temps peuvent être maintenus pour l'instant, dans la mesure où, par exemple, si on prend le jeton de temps sur les cartes habitants, bon, ils ont vocation à rester tant que la carte est jouée, donc à moins qu'il y ait des changements au cours du tour suivant. Donc vous pouvez laisser les jetons de temps présents sur le plateau à ce moment-là.